Bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui dans ce nouvel tutoriel toujours sur Word. Ici je lance donc Word afin de vous montrer comment on peut protéger un document. Mais j'ai lancé un Word, mais en fait je vais vous montrer aussi par la même occasion comment ouvrir un document qui existe déjà sur Word, sur la barre d'outils d'accès rapide ici. Je vais cliquer, excusez-moi, sur le bouton Ouvrir afin d'aller chercher un document qui existe déjà dans mes documents. Et je vais prendre par exemple quelques extraits. Il va s'ouvrir, je fais un double clic dessus et il s'est ouvert. Le voilà. Ici, j'avais fait une petite BD avec mes enfants et des photos de Paris et je l'ai mis en forme sur Word. Donc c'est un document que j'aime bien et que j'ai envie de garder. Et le but est de vous montrer comment on peut donc protéger un document avec, du coup, nous allons cliquer sur l'onglet Révision ici, comme vous pouvez voir, avec tout son dedans, et je vais aller chercher protéger le document ici dans le groupe protéger. Je clique dessus et je vais dire restreindre la mise en forme et la modification du document. Comme vous pouvez le voir, il y a ici à droite un volet qui s'est affiché qui s'appelle restreindre la mise en forme et toute modification. C'est que permet d'empêcher une personne de changer la couleur, la taille de la police, etc. Mais on peut aussi cocher la case limiter la mise en forme. Vous voyez ici. Mais en général, je le laisse comme ça. Donc, ce qui va nous permettre, donc, on peut rajouter ici dans cette fenêtre plusieurs paramètres. Et on peut donc ainsi autoriser uniquement ce type de modification dans le document et on précise, c'est nous qui décidons. Je laisse en général l'ensemble. Donc vous pouvez affiner la restriction de votre document. C'est vous qui choisissez. Moi, personnellement, je choisissais aucune modification, lecture seule, ici, hein, on y est. Aucune modification, lecture seule. L'utilisateur ne peut pas ajouter ou supprimer de texte dans votre document, puisqu'il est en lecture seule. Vous pouvez mettre des exceptions pour certains utilisateurs, hein. C'est à vous de choisir ici tout le monde ou certains utilisateurs. C'est vous qui décidez d'accéder, de permettre aux gens, hein, de modifier ou pas votre document. Ici, vous allez donc choisir les utilisateurs en cliquant sur plus d'utilisateurs et à vous de taper les adresses de chaque personne, hein, et d'indiquer ce que vous voulez. Donc on tape les noms des utilisateurs si besoin, sinon, hein, si on ne veut pas, on dit annuler. On va activer donc la protection ici dans la fenêtre. Je clique ici. Et ici, vous avez activé la protection. Je vais cliquer sur activer la protection. Une fenêtre s'ouvre. Cliquez sur le bouton Activer la protection pour appliquer les protections. Donc on applique ainsi toutes les protections que l'on a décidées. On peut demander, taper un mot de passe et confirmer le mot de passe si l'on veut. Ce n'est pas obligatoire, hein. Et on va cliquer, moi je ne le fais pas, hein. Je vais dire OK. Ainsi, j'ai pu verrouiller mon document. Nous allons tester cette protection pour voir si tout marche bien. Nous allons tester la protection mise en place. On va essayer de supprimer quelque chose, un mot, une image dans le document, par exemple le mot banane ici, si je clique ici, et que je veux effacer quelque chose, rien ne s'efface dans mon document, que ce soit une image. Ici, je clique sur cette image-là et je voudrais la supprimer, mais je ne peux pas. Vous avez vu dans le texte ici, je ne peux pas
effacer du texte. Donc je vois bien, en effet, que mon document est bien protégé. Voilà pour protéger un document, ce qui vous permettra donc, vous pouvez l'enregistrer sous, bien sûr, si vous voulez, dans 97.3, comme d'habitude. Et vous le mettez sur vos documents, vous mettez le nom, quelques extraits, documents protégés, pourquoi pas. Comme ça, vous savez que c'est celui-là. Pro. Et j'ai, excusez-moi, et vous enregistrez sans aucun souci. Voilà comment protéger un document. Je clique, je vais donc fermer ce document-là. Je peux aller regarder dans mes documents ici. Aller chercher, vous avez ici quelques extraits, c'est le premier document que j'ai de Word et que je peux évidemment changer. Ici, quelques extraits de commandes de Word protégés. Je fais un double clic. Et si j'essaye donc d'effacer quelque chose, je ne peux pas le faire, ni image, ni texte. Donc si, en effet, si vous voulez que personne ne change ce document-là, c'est celui-ci que vous enverrez à la personne ou aux personnes que vous voulez. Voilà. À la prochaine pour un prochain tutoriel, toujours sur Word, et à bientôt.